Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On se retrouve en ce jeudi soir sur la suite de Stationnir. Ce soir, on sera avec Lorex et Vold. Pour continuer notre construction. Je pense qu'on va commencer comme d'habitude avec les avancements de chacun. Et merci Lorex pour ton host. Y a vraiment plus de son avec le host. Faudrait que je vérifie ça. Je sais pas comment vérifier d'ailleurs, dans l'absolu. Bon. Et bah du coup, je vais le retrouver sur Discord. Tac. Bonjour les Et bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. De rien pour le host. Et à mon avis, y a pas de son parce que le host est juste un viewer. Normalement le host est calculé avec... Calculé, j'arrête de penser à ça se finir. Partage portal, donc lui il n'a pas de limite. Peut-être, aussi. Par contre je suis déçu, quand je vois la vidéo d'introduction, je trouve qu'ils font des trucs plus jolis que nous. Ah, oui c'est la bande-annonce du jeu. Et on va pas tirer sur le jeu, ça sera un peu moins joli. Comment ça? Je vois pas que tu te mets devant moi en plus. Non, j'ai ramassé mon fil rouge qui était à tes pieds avant que tu me le voles. Oh, j'en ai plein sur moi, t'en veux? Tiens, regarde du fil rouge, t'en veux? On en a fait crafter pour rien. Ah, bah si, je l'ai rangé en fait. Oui, je l'ai rangé mon fil rouge. Ah, mais je parle du fil lourd, moi. Ah, fil lourd rouge. Le lourd rouge. Du coup, la dernière fois qu'on a joué, c'était lundi. Est-ce que vous avez fait quelque chose depuis lundi? Oui. Je sais pas encore. Il y a comment qui joué, je crois, hier. Hier, j'étais en stream, donc. Affirmatif. Ouais, j'ai joué hier, du coup. Oui. Moi, pour info, j'ai fait des tests. Je dis, tiens, ça serait bien de faire ça, machin, un truc. Il n'y a encore rien de concret, donc. Vol vient pas avec nous, peut-être? Non, je joue avec le stream. Faut vraiment que je me concentre sur mon truc. Sinon, j'avancerai jamais. Sur le foire, avancer. Alors j'ai commencé à pressuriser les choses, vas-y je te laisse ouvrir, déjà il y a une porte, il y a un sas, pas un sas mais une porte. Wow. Et on change un peu de lieu, hein, tout de suite. Ah c'est joli. C'est fermé. C'est pour ça que tu demandais qu'il fallait un peu plus de lumière maintenant. Ouais, c'est voilà. Ah c'est sympa. J'ai fait... Je lui mets ma lampe aussi du coup, ça va peut-être aider. Ouais donc faudra voir la lumière, comment on dispose ça, mais... Oh, tu peux choisir, après tu mets mon code derrière et puis c'est bon. Ouais mais j'ai à moitié rien compris. Donc là pour le moment il y a un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, c'est trop compliqué pour moi. Ouais, on a moins 89, quand je suis arrivé sur le serveur il y a une demi-heure, on était à moins 91. Ça a monté de 2 degrés, je comprends pas. Après il y a beaucoup de gaz, il y a beaucoup de trucs. Ouais, est-ce que c'est plus lent, plus il y a de gaz? Ouais, c'est possible. Donc il faudrait que je fasse quelque chose là-dessus. Ouais, faudra rajouter voilà, donc j'ai refait un peu les trucs ici, un peu jolis. Voilà, là, ils sont tous les deux activés, les mélanges sont en train de se faire d'ailleurs. Parce que je fais le mélange tant qu'on n'a pas X KPA dans les tanks au-dessus. Et donc, on les a pas parce qu'on a plus d'oxygène, je crois. Dans les gaz. Ouais, on a plus d'oxygène ni d'azote en fait, on a tout mélangé au max. Et ici, niveau là, on est à. On est à 140 KPA, donc c'est très bas. Enfin, c'est 150, et ici, on est à 0, parce qu'on essaie de pressuriser la serre. Donc, voilà. Oui, il se renvoyait directement. Ici, je vais changer, comme je disais, les câbles électriques, ici. Ça va être mon objectif, perso. Changer les câbles électriques, mettre des heaters en plus. Et non, c'est pas en mettre 3. Séparer la data de l'alimentation là sur les heaters et puis. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, on va les miner en masse pour avoir de l'oxyde et du volatile. Faut déjà qu'ils commencent à réussir à refroidir le premier. Il faudra peut-être que je refasse mes filtres parce que. Tu sais, on avait filtré un gaz lundi, un vol. Mais en fait, j'avais la plupart de mes filtres qui étaient restés allumés parce qu'ils restaient. Un peu dans l'analyseur de tuyaux, j'ai pas trop compris. Mais... Ouais. Petit souci, quoi. Du coup, ça les a tous usés, là? Non, du tout. Hein. Ça n'use que si ça passe à travers. Mais le fait de les éteindre, c'est surtout le fait de pas consommer de trop. L'électricité. Ouais, voilà. Ok. T'as qu'un seul filtre de mort, du coup. D'accord. J'ai qu'un seul filtre de mort, du coup. C'est oui, ça le X ici, là, qui est mort. Il va falloir regarder ce que ça coûte de faire les plus gros filtres, en fait. Parce que s'il faut les changer tout le temps...
Alors le petit filtre, il coûte 5 iron. Le moyen, il coûte de l'iron, du silver et du constantan. Et le grand filtre, bah, il coûte du stellite, quoi. C'est le souci. Bien évidemment, on en fait tous les jours. Bah, je compte sur Vult, quoi. Sûr? Sur toi? Connais pas. Bah, Ah. voilà. Bah, ça Ok. progresse, c'est Oui? cool. Et la serre se pressurise. J'ai mis quelques fenêtres. Je sais pas ce que tu penses finalement de du design de la pièce, mais. J'aime bien, moi. Voilà. Je pense que Bah, tu vas après, faire toutes les ça pièces, du va. coup. Ça va virer un peu ces trucs-là, ça va Oh, virer ça, un c'est les peu trucs de bordel construction, quand on ça. finit. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça virera sûrement. Et ouais, on verra. Ok, la Salatmos. Salatmos. Qui aura sans doute sur son toit aussi l'antenne, je pense. Oui, improbablement. Un truc qui prend de la place et qui doit être en hauteur. Ouais, ce qu'on pourrait faire aussi, du coup, c'est faire un étage 4 et faire un sas à l'étage, hein. Carrément un sas pour sortir. Ah oui. Ça pourrait se faire, ça d'ailleurs. Ah bah non, 3, 4, 5, 6, un étage 6. Oui. Vu qu'il compte Qui compte les les blocs. intermédiaires, ouais, juste. Si, est-ce que j'ai fait. J'ai un peu retravaillé le programme des machines pour éviter qu'ils fassent le bug, tu sais, d'afficher zéro ou de s'éteindre, s'allumer quand il manque un truc. Ah, t'as trouvé une solution là-dessus? Ouais. Quel talent. Et bah, il y avait ça. Enfin, tous ces bugs-là de cette partie-là, et maintenant il manque plus que la partie où le pourcentage il monte trop vite, donc faut que Oui. je refasse tout un calcul et je m'appuie pas. J'ai dit, il était tard, j'ai fait non. Parce que là, il faut que je J'espère que repense le maintenant c'est une programme. petite grenouille du coup. Okay. Quoi? Non, vous l'avez pas? J'ai Non, la foutu un plomb à grenouille. ce point-là. Non, Mais j'ai. il a dit qu'il était tard, donc. Ah, oh! Mais non, je l'avais pas. C'est. On est fin de semaine, je suis fatigué, et voilà. Ouais. Bon, c'est Pas encore le mon jeu. week-end. Ok. Et je suis en congé demain. Bah du coup, pour ma partie, je jouais un petit peu mardi soir, je crois. Enfin, mardi avant de. Et je me suis surtout acharné à faire le programme de du stockage des batteries. Donc, moi, je débute. Donc, j'ai galéré à comprendre le système de comment on appelle ça de if qui ne sont pas des if. De, Quel ça fait des bordel. sauts, quoi. Ouais. J'ai laissé mon PC portable quelque part. J'essaie de le retrouver. T'as ton PC portable sur toi? Moi, j'ai Ouais. toujours ça. Voilà. Il était dans ta tenue parce que je l'ai pris, je l'ai remis. What? Ouais. Pourquoi tu prends les trucs des autres? Parce que je trouvais plus le mien, il était sur le toit. Bah, du coup, j'ai pas le mien. Mais t'as pas la tenue jaune là? Non, elle est rouge. Je pense que j'ai laissé à côté de le. Ouais, il est là. Dehors. Mais oui, parce que là, j'ai analysé le Ah oui, code donc c'est de tu l'as Vold. utilisé. Voilà, donc tu voilà, on m'accusait déjà, hein, déjà. Et pourquoi tu l'as mis dehors, du coup, le Rex, De l'ordinateur quoi? de Kato? De pourquoi tu l'as posé là? Là, Non, et non, c'est. tu vois, là, il reste à 100% alors qu'il n'a pas terminé. C'est chiant. Oui. On peut En pas plus, c'est appuyer. même pas un vrai 100%, c'est 1,000015055613. J'adore les pourcents de. Mais ça, c'est la machine qui fait ça, donc. Tac. Alors, donc du coup, si je reprends celui-là des batteries, c'est celui-là. Tac. Donc c'est tout con, donc je fais mes déclarations. L'affichage du ratio, il n'y a pas de calcul à faire, donc il la lit, il l'envoie directement sur l'afficheur. La puissance, je prends le nombre de batteries. Attends, faut que je me rappelle de ce que j'ai fait aussi. Je prends le nombre de batteries, c'est ça, que je multiplie par le stockage total des batteries. Ah oui, c'est ça. Et qu'ensuite je multiplie par le ratio
des batteries. Et ça me fait en watts, le nombre de watts qu'ils ont à l'intérieur. Et que ensuite j'envoie sur l'affichage. Et ensuite, je vais faire une gestion des couleurs. Et donc, bah, les sauts, j'ai vraiment eu du mal à comprendre. Je ne sais même pas si je saurais le réexpliquer d'ailleurs. C'est vraiment le truc qui m'a pris la tête. Je me dis, je ne vais pas faire beaucoup de programmes. Parce que rien que cette partie-là. Tac, tac, tac. Je sais même pas si je l'ai bien fait en plus, mais il est fonctionnel normalement. Donc tu fais, si c'est égal, tu sautes à la ligne Intel, quoi. Si ratio supérieur à 8. Donc là, il fait un test pour savoir Ah, si ratio batterie est supérieur à 0,8. Il enregistre ce résultat dans R15. Je teste R15 en dessous. Si c'est pas le cas, parce que du coup, c'est des ifs oui, c'est négatifs. le égal 6, c'est égal 0, donc d'accord, ouais. C'est ça. Si c'est pas le cas, tu sautes et tu fais le prochain test. Et si c'est le cas, tu enregistres le numéro de la couleur, parce que c'est des numéros, et tu vas directement à la fin, en fin de test, pour éviter de faire tous les autres tests. Bon, Tous je ne les sais autres pas si tests. c'est une bonne méthode, mais du coup, je l'ai fait comme ça. Bah, écoute, mais j'aime assez bien une poulet S quelque chose, SGT, SZ, S machin, SQ et compagnie. J'aime assez bien cette technique-là. Parce Bah, qu'après, une ce qui fois que était tu as. présenté dans le... Ouais, mais avec ce genre de select, au moins tu fais des conditions beaucoup plus simples, je trouve. Ah bon, ça c'est mon Mais test. ce système de 1, tu fais ton test, mais tu enregistres le résultat de ton test et tu testes ton test. Ouais, ben bah oui, parce que Et tu en peux plus, et c'est toujours si c'est pas le cas. parce Si que c'est pas le tu cas. peux faire aussi avec le B directement ratio batterie 0,8 dans le B quelque chose hein. Tu pourrais. Dans le B quelque chose, Toi c'est-à-dire. tu as le BEQZ, tu as aussi des B quelque chose où tu testes les deux valeurs en fait. Ah, je pourrais le faire en un coup? Voilà. Oh, ouais. Ben, cherche dans les fonctions, si tu cliques sur les fonctions, ça doit être BGT quelque chose, par exemple, ou un truc ainsi. Ou un délire comme ça, en tout cas, je ne sais plus. Il y en a tellement, tu dis qu'il y a Je toutes les suis dans possibilités. l'informatique. Hop, hop, hop. BR, t'es déjà trop loin. Ouais. BGTZ, saute à la ligne si A est supérieur à 0. Oui, donc ça c'est supérieur à 0, mais donc c'est pas BGTZ, c'est bien le BGT. Parce que Ah, le S, mais BE... je les vois pas parce qu'ils sont derrière ta webcam, mais. Ah oui. C'est vrai que quand j'ai fait le montage, je me suis dit que ma webcam cachait le Voilà, tu truc. peux le mettre de l'autre côté. Le seul truc que j'utilise, c'est BEQZ. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est saute à la Mais tu ligne vois le si BGE en fait, c'est le égal. BGE. Ah oui, mais celui que tu m'as dit, en fait, il fait le contraire. Non mais si, oui, mais c'est ça, mais remonte un peu BGE. Celui que tu m'as dit, le BGE saute à la ligne. Non, c'est pas celui-là. L'autre que tu m'as dit. BGEZ. Mais non, mais là BGE, c'est ce qu'il faudrait. Tu sautes à la ligne C si A est supérieur ou égal à B. Et A et B, du coup, ça serait ton ratio batterie et ton 0,8. Ou inversé. Parce que le BGEZ. J'avais dit BGT, mais il faut trouver les bons, il faut. Le BGEZ, c'est saute à la ligne si A. Si B. Attends, le sous c'est une B après. Si A est supérieur ou égal à 0. A ou égal. Oui, ou égal, Moi, ça il me faudrait le supérieur tout court. eh ben, BGZ. Non, oui. Ou BGZ. BEZ, BEZ, BEZ. Cherche BEZ. Non, il n'y a pas BEZ. En fait, voilà, mais c'est. Moi, je parlais surtout plutôt des BLE, BLT, ce genre de conneries, parce que c'est là que tu peux avoir A et B, tu testes A et B et pas A supérieur à 0. Ouais. Tu vois, tu testes A et B. Parce que je me disais que si j'avais juste supérieur et non égal, ça veut dire que la condition était vraie. Et du coup, je pourrais enfin faire un vrai if. Parce que tu sautes à la ligne de toute façon, donc tu ignores ta condition. Enfin, oui. Mais il y a aussi, il faut trouver le bon, mais. Il y en a 20 000 des B machin et tout. Ah oui. Tous les cas en fait. Et je crois qu'il couvre tous les cas. Ouais, mais si c'est un vrai, tu peux faire un truc en fin de course, hors de la boucle, et tu fais le remonter à chaque fois. Mmh.
Moi aussi. Ouais. Et du coup, il fait les autres tests et ça et qui marche pas. Et d'ailleurs, je sais pas si on peut faire un test. Est-ce que c'est entre ça et ça? Je sais pas s'il existe ce De test. tester si c'est égal à ça et puis si c'est supérieur à ça, quoi. Et inférieur et supérieur. Ouf. Ah oui, t'as pas le choix. Donc Ce que tu devrais faire, tu devrais la tester. méthode que j'ai faite marche entre guillemets parce que du coup j'enchaîne les calculs. Ouais. Au final, Si tu veux tester compris entre deux valeurs, tu devrais faire, par exemple, tu mets la valeur dans R15 et dans R16. Donc, dans R15, tu vas tester avec ton S si tu es plus grand que. Et dans ton R16, tu vas mettre plus petit que, tu vois. Tu vas faire tes deux intervalles. Et après, tu as la méthode AND, qui est tout début de la liste, du coup. Et Alors... dans le AND, bah, tu fais, si mes deux variables AND, bah, forcément, ça veut dire que. Ça veut dire que c'est entre les deux. Oui. Mais c'est vrai que du coup, ce qui est bizarre, c'est que tu viens construire ta condition avant de jump. Et tu testes Oui. la condition. Et là, dans l'occurrence, en fait, en plus, c'est si n'est pas quoi. Ce qui m'a vraiment fait des nœuds au cerveau, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de penser dans comme ça. Non, tu penses à l'envers, c'est. J'arrive même C'est pas. Ah, horrible. il est là, le SGT, là. J'arrive même pas à retrouver celui. Ouais. Voilà, et donc quand il y a un z, c'est que tu compares à du 0 en fait. Et c'est pareil pour les b quelque chose, quand il y a z dedans, c'est que tu compares à 0. Stock 1 dans le registre, si 1, sinon 0. Ouais, c'est ça. Et en général, c'est EQZ, c'est Ouais, égale 0, c'est ça. Ouais. égal 0. Ouais, mais si c'est GTZ, tu vois, c'est quand c'est supérieur à C'est du dommage qu'il n'y ait point. pas un BEQ sans, enfin, sans égal, quoi. Bah si, il doit y en avoir. Attends, je prends un PC juste pour voir. Il doit y en avoir. Là c'est BEQZ, donc Donc ce c'est que égal à tu veux, 0. c'est quoi? C'est un. Supérieur à 0. Le BGTZ. BGT Z. Ok. Ouais, tu l'as. Ouais, je te dis, il y a tout. Ok. Et est-ce qu'il y a... Alors du coup, je peux sauter. Et comment on fait pour revenir à la ligne? Ah oui, non, ça fait beaucoup de... Ah, je perdrais plus de place par contre à faire comme ça. Ce serait plus... Si, c'est ça aussi. Ce serait plus facile à penser parce que du coup je l'envoie plus loin faire ce qu'il a à faire et je le fais remonter à un endroit précis. C'est-à-dire que je perds énormément de lignes à faire ça. Bah, si tu fais des Mais du coup, fonctions. ouais, c'est ça. Bah, en gros, c'est ça. Mais je. Des fonctions. Et alors, ça, c'est toutes les variables qui finissent par AL. Si tu regardes, tu as le BGTZ AL juste en dessous de bas de ta Merde. liste. J'étais sauté. BG2A, le premier. Ah, Ah, oui, non, d'accord. c'est pas lui, mais bon, c'est pareil. Et en fait, pour t'expliquer, il stocke le numéro de la ligne suivante dans RA. Et donc, c'est une variable de registre, hein, comme tu as le R0, R1 et compagnie, c'est RA. Et si tu fais un jump RA, quand tu jump à RA, Ouais. bah, tu reviens à la ligne là, en fait. Et il la reteste pas, il va la suivante au moins. Ah non, donc si, non, c'est la suivante, ouais, c'est Oui, vrai. d'accord, rassure-moi. Il va boucler sur le même chat. Bah Ouais. oui, c'est toujours vrai, bah oui, c'est vrai. Bah si, oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. Et bah, limite, on perdrait plus de place, mais je trouverais ça sera plus Bah, logique. c'est un système de fonctions, du coup. Ce que je disais la dernière fois. Le système Ouais. de l'oreille, tu le comprendras plus facilement. Le seul défaut, c'est que ça prend plus de place. Mais tu le comprendras Après, mieux. Donc il y a des ça choses que tu utilises plutôt l'oreille. dépend. Ça dépend en fait. Il n'y a pas de script ici, ouais, voilà. Par exemple, ici, le dernier truc que j'ai fait avec les tanks et les pompes sur le toit, je trouvais ça sympa de jump. De jump en mode fonction. Parce que je fais trois fois le même code d'affilée, donc il prend moins de place dans ce cas-là. Parce que moi je fais qu'une seule ligne, je fais juste un move color quoi. En soi. Mais du coup. Ouais. Mais du coup, je serais. C'est ce que je disais, inférieur. Oui, il n'y a pas de test qui fait en même temps inférieur et enfin, entre deux quoi. Ouais, non, là, il faut.
Il faut faire deux S quelque chose. Hein. Tu as ton SGT, tu as Ouais. ton S l'autre, quoi. Et alors, tu as end si tu regardes dans les fonctions. Remonte tout au-dessus de tes fonctions. Tout en haut? Non, end, c'est avec un E. Ah oui, End, end, ah oui, AND, d'accord. AND. Bon, indique. Oula. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Indique si le périphérique est actuellement inactif, sinon zéro. C'est un peu mal traduit à mon avis. Donc en gros, le premier R, c'est la nouvelle variable que tu vas créer. Hein, c'est ton machin égal. Et c'est un end, quoi. T'sais pas quoi te dire. Et il teste la valeur A et B, en fait. Et donc il met 1 dans le premier R si A est B. Sinon, il met 0. Ah. Et donc tu fais tes deux S. Tu fais un S Ouais. quelque chose qui teste si t'es plus grand et l'autre si t'es plus petit. Ouais. Tu fais ton end et forcément il sera vrai à 1 s'il est plus grand et plus petit. Donc il est dans l'intervalle. Oh, faut que j'essaye. Ça me plaît beaucoup Tu vois le plus. concept, hein, voilà. En fait, tu fais ton end de ta condition, mais étape par étape, quoi. Très, très machine finalement. C'est pour ça que je dis, je trouve à la limite que ce sera encore le plus proche, c'est de l'assembleur, quoi, de ce langage à la con. Bon. Hop. Maintenant, faut que j'arrive à retranscrire tout ce qu'on vient de dire. Ça, c'est autre chose. Alors, bah c'est parti. Hein. Ah oui, c'est vrai que la touche raccourci pour commenter ne marche pas sur ça. Je peux faire ça, moi? Trouve un Non. moyen de bien Évidemment. m'asseoir. Je me Non, suis non, non. pété l'épaule ce matin. Bah voilà. Pas compris ce que j'ai fait. J'étais en voiture. Et à mon avis, à un moment, j'ai regardé sur ma droite, comme si je regardais. Comme si je... Enfin, quand j'ai regardé s'il n'y a pas une voiture qui arrive à droite. Et je me suis bloqué l'épaule. C'est magnifique. Et là, j'ai du mal à lever le bras, donc je peux plus faire de salut en levant le bras. Non, je pensais à autre chose. Je me suis arrêté dans ma Faut pas faire de phrase. salutations. Voilà. Salutations, bah oui, salutations. Et quand je peux plus tourner la tête à droite, mais à force là, C'est en assis dans voiture, ma je fais chaise de souvent des bureau. Ouais, mais assis dans ma chaise de bureau, j'ai mal mon épaule depuis ce matin, putain, ça Surtout pour les voitures allemandes. me. Voilà, good point. Alors. Du coup, là, je fais mon test. Et ensuite, 6. Je dois rouvrir tout mon plancher, moi. S. Je vais pas passer le fil électrique par l'extérieur. Et pour vite rouvrir tout le plancher. Bon, mais il n'y a pas le choix, en fait. Hein. Ben oui. Tac. Donc, ce que je cherche. C'est BGTZ. BGTZ. Pardon, excusez-moi. Putain. Je suis obligé Et de le mettre du là. coup, là, ça fait le saut, si j'ai bien compris. BGTZ. Ah non. BEQZ. Saute à la ligne B Il y a si A quelqu'un égale qui reste dans 0. le sens. BGTZ saute à la ligne Pourquoi il m'a B. foutu ça Ok. là-dedans? Pourquoi est-ce qu'il a été me foutre ce fil dans l'ascenseur? Ok. Ah oui, il y aura peut-être ton sas que tu mettras en puissance élevée aussi. Mais par ça. Je sais pas où tu passes mon fil en fait. C'est ça que je comprends pas. Il passe le long du mur, tu l'as passé pile dans le mur en fait, on le voit plus.
Ah bah c'était moi discret, oui. Couleur vert. On peut écrire en dehors d'une boucle, hein. Pardon? Je sais pas si on pouvait écrire en dehors d'une boucle. Oui. Oui, bien sûr. Ensuite, je fais ça. Et du coup, comment je remonte, tu m'as dit... Oh bah non, je peux faire même J'ai ça un sous jump comme ça à l'arrache. Un test color. Et ici. Ici. Ok. Je reviens. Oui, son micro a déconné au même moment, mais... Je reviens. Oui, c'était tout bas. Donc pour le premier, ok. Ensuite, je fais le Et hop, le deuxième chat. test. Oh, Minouche. T'es chiant, tu sais ça. Ah. Mon chat qui vient de débarquer. Allez, viens. Si, voilà. Oui, tu t'es mal mis. Ah, tu reviens dehors, toi. Alors du coup, faut que je trouve le SGT inversé dans l'autre sens. S, les S en bas. Si A supérieur à B, et donc A inférieur à B, c'est où? SLT. Je ne peux plus jouer. T'as un chat sur toi? J'ai un chat sur le bureau. Non, moi il Sur le vient pas sur bureau. mes genoux, mon chat. Sur le bureau, donc là il est couché de tout son long, donc il prend presque 1 mètre, quoi, l'air de rien. Mais il est couché sur la souris à moitié sur le clavier. Il revient dehors parce qu'il est tout froid, il est tout glacé. Ensuite, je vais utiliser ton fameux end. Hop, end. RN, R15, R15, R14. Mais du coup, ça fait pas un saut? Si, ça fait un saut après. Ah non, Ah non, il non, mais pas en sauvegarde une valeur, RKS. donc du coup, ça fait R13, R14, R. Ben non, Enfin. tu peux. Moi, je réutiliserai R15, j'étais de toi. En mode fainéant total. R15, R15, R14. Ah oui, mais il écrit pas avant de le lire, bah oui, c'est logique, parce qu'il est obligé de lire pour Ouais. ça. R15, R15, R14. Ça, c'est quand t'es fainéant comme moi, quoi. Ouais, mais je pense que pour le premier, histoire de bien comprendre ce que je fais. Est-ce que t'as le chat? Tu veux plus que je te gratouille? Mon chat, je sais pas ce qu'il allait pas bien. C'est dommage qu'il n'y ait pas un truc qui fait un N de saut, plus le saut. Comment ça? En gros, si bah, le N est valide, ça te fait sauter directement. Non, par contre, il y a des B qui permettent de dire je saute de 2 lignes. Et pas je saute à telle ligne. Ah oui, mais là, le but, c'est de sauter à une... faire un jump. Faire un jump comment un jump comme ça relatif, je veux sauter de 2 lignes. Non, Je rappelle que t'as déjà fait. je vais sauter directement à une... à couleur orange, je crois, d'ailleurs. Ouais. Et... Mais non, tu dois refaire un faut que je reteste... B quelque chose, oui, c'est ça. Parce que du coup, il met... indique 1 si toujours inactif, sinon 0. Non, fais pas attention à ce qui marque, c'est une Alors du piège coup, quand de c'est valide, logique. ça, il passe à 0 ou il passe à 1? Il passe à 1. Ben, un N, quoi. 1 et 1, 1. Du coup, faut que je teste égal à 1. Si tu m'as posé une question, j'ai pas entendu ce Ah que oui, tu je m'as dis dit. du coup, faut que je teste R13 si égal à 1 et c'est valide. Ouais, voilà, c'est ça. Comment on teste égal à 1? Parce que ça, par contre... En saut? Hop. Et pour faire un saut, oui. B-Q... Bah, un saut B-Q classique, quelque c'est chose. B, Ah non. R, et quoi, UK, UQ, EQ, alors je vais y arriver, BRUQ. Ah mais non, mais il n'y a pas égal 1 supérieur à 0.
BGT quelque chose? Non, mais tu peux faire BR. Ah oui, d'accord, oui, je vois genre. Un BREQ. Ah bah oui, c'est vrai aussi. Si A est égal à B, donc si R13 est égal à 1, et il fait couleur orange. Ou couleur jaune, je ne sais même plus. En fait, les fonctions, je me rappelle juste parce que je la décortique à chaque fois. B pour un saut, R pour un saut relatif. Oh, mais c'est un saut relatif, mais s'il veut pas un relatif, donc c'est BEQ. Non, mais il veut aller à couleur. Non, non. Ouais, c'est pas un relatif, ça, c'est. Ah oui, non, non c'est. Truc... il suffit d'enlever le R. Ouais, le R, c'est relatif, vire le R. Et du coup, c'est un saut normal. Vas-y, enlève le R. Ouais, c'est. D'ailleurs, c'était souligné, ça ne l'est plus. Ah oui, parce que voilà. Couleur orange, je sais pas c'était quoi cette relativité. Tac. Et du coup, je peux faire ça. Ça. Couleur orange. C'est quoi orange d'ailleurs? C'est 3. Bah, en plus, elles se suivent. Voilà. Tu peux venir me confirmer vite fait un truc, Keto, s'il te plaît? Ah. J'ai pas envie de faire de merde. Tac, tac, tac. Si tu veux bien. Yes. Je suis. Malade. De... Putain. Je suis dehors. Bah rentre. Ah t'es dehors. Il est con, il est malade et il est dehors. Et quelle idée. Il fait froid d'ailleurs. Bah non, il fait plus froid à l'intérieur je crois. Il faisait moins et quelques. Et tu vois comment qu'il fait froid. Il fait nul degré déjà. Ah. Le fil, mon fil rouge, il passe vraiment dans le coin-coin ici. Bah j'ai envie de te dire, je te dis ça tout de suite. J'avais pas envie de tout démonter, c'était... Ah moi non plus. Ah oui, t'as le... Oh la vache. 2 FPS, bonjour. Ah oui, il passe dans le coin. Ouais, et quoi, il passe bien dans le coin, ouais. Tac, 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 tac. Et il va tout droit, il va sous... Il passe pile poil en dessous de ta... du mur. Bien. Il me retire tout. Voilà. Toi, tu l'as mis comme ça, mais donc c'est-à-dire que je dois retirer les deux murs et l'ascenseur pour y accéder. Mais non. Tu le remplaces. Comment? Comment veux-tu le remplacer? Ah oui, en le pointant, on peut voir les valeurs dessus. Oh, c'est marrant, ça. Ah, c'est du debug, quoi. bah, tu prends dans une main le câble lourd, tu prends dans l'autre main la pince que tu as, là, et tu remplaces. Ça remplace que dalle, hein. Non, ça remplace pas. Mais... Non, c'est ah, pas ça. Donc oui, bah oui, t'es obligé de tout démonter. Putain. Tout démonter. Oh. Ou alors tu mets. Ou alors je vais tirer un câble à part et rien à battre et tu te démerderas pour ton système. Ça va perturber. Non. Ok, mais tu pars le câble que tu n'utilises plus en rose. Donc faut que tu démontes. Ouais. Non, celui-là, il utilisera toujours. Hein. Lui, ici, je vais toujours l'utiliser. Hein. D'ailleurs, n'oublie pas qu'il faut que tu mettes un indicateur de couleur sur chaque câble. C'est un peu long, mais. Non, je suis rouge. Que je démonte. Oh, quoi que. Voilà. Oh, peut-être pas. Ah merde. Tu peux faire juste. Non, ouais, tu fais juste un angle, là, c'est bon. Ça suffit. Hop, je pose ça là. Enfin, ça suffit. Ouais, non, ça va aller, ça va aller. Je pensais que je devrais démonter aussi l'ascenseur, tout ce bordel-là. Ah bon, il a quand même fallu démonter les fenêtres, toutes les plaques, tout le bordel. Bah, sinon, ça serait pas drôle. J'ai accès. T'as fait un transo, moi? Pas encore, non. Par contre, là, j'ai coupé toute ma base, quoi, alors qu'il faisait des trucs, mais... Une chose à la fois. Merde. Ah, je vais devoir peut-être déplacer mon SIC, du coup. Ne me casse pas mes trucs plus loin, hein. Quoi? Ne casse pas les trucs qui sont là-bas, je remplace petit à petit. Non, je disais, je vais peut-être devoir déplacer mon SIC. Pourquoi? Bah ça dépend où tu vas faire la liaison. Où tu vas faire la séparation. Avec brio. Attends, et c'est quoi qu'il y a là? Bon, je vais essayer de terminer mon programme qui est pas censé être compliqué. Ouais, voilà, ça fait ton programme qui est pas censé être compliqué. Et je vais revenir pour corriger ce que t'as fait. Voilà, c'est ça. On fait comme ça. Oula. Enfin, je reviens ici pour le faire, mais techniquement j'étais en train de le faire sur VS Code, j'aurais pu le faire là-haut. Oui, mais bon, voilà. Quoi. C'est pour le principe. On fait un peu RP en disant que tu dises pas. Mais... Est-ce qu'on peut se mélanger à ce câble-là? Ah non, mais c'est quoi cette. Ah non. C'est quoi cette connerie?
On ne dit pas que vous avez fait ça, parce que si vous avez fait ça, ça dégage. Hein. S'il y a un problème, c'est Keto. C'est parce que j'y vais, je vais le faire moi-même. Hein. C'est... Pourquoi j'ai un bout de câble noir qui part, moi. Tac. C'est quoi le câble noir déjà? Le câble noir, c'est les données. Qui vient à la salle de contrôle. À mon réseau, lui, il est juste relié à l'analyse, mais pas à mon réseau. Hein. Ah bah si, il est relié au réseau. Bon, j'arrive, je vais le faire. J'arrive. Donc là, t'es en train de me dire que le câble noir, il est lié au réseau électrique. J'arrive. Il va griller direct si je branche plus que 5000 dessus. Hein. J'arrive, je vais le refaire. Je m'en doutais qu'il y a de toute façon que... Il fallait que je le fasse. Que dalle à son câble noir. Allez. Tac. Je vais démonter l'ascenseur aussi, du coup, je pense. Ouais, que... Ouais, à mon avis, celui-là, il faut... Bon, alors, par l'intérieur, hein, mais... Hop, peut-être par l'intérieur. Démonter l'ascenseur, je pense, mais... Bah, de toute façon, il y aura pas mal de choses à refaire. Tac, tac, tac. Le câble noir, il va devoir remonter. Pourquoi? Non, oui, le câble noir, faut que je le refasse en lourd, c'est ça. C'est quand même le même principe que la serre. Tu dois le refaire en lourd? Oui, parce qu'il va griller tout seul. Vu que l'électricité... C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais, d'accord. Mais non, alors non, attends, le câble noir, il a que du data. Ah oui, mais il doit voir tout. Le problème, c'est que le jeu ne calcule pas le courant qui passe dans un câble, il calcule dans tout le réseau. C'est débile, hein, mais... Mais pourquoi l'analyseur de câble a besoin d'être sur le réseau? Ça, je comprends pas. Mais en fait... Le noir, il voit mes données, il voit tous les composants, oui, de mon réseau, alors. Oui, mais c'est le but. Et... Ok, d'accord. C'est vraiment le but. Ouais, donc il doit être fait en lourd. Ouais, bon, bah ça, désolé, la flemme. Mais je... On est d'accord. Ouais, très bien. Dit, je vais le faire. D'accord. D'ailleurs, t'as oublié un câble. Celui qui est sous l'analyseur, il est en léger. Noir, non? Il est léger. Celui qui est sous l'analyseur. Sous l'analyseur. Sous l'analyseur? Dedans, en fait, ah oui, dedans. D'accord, sous la... Ah oui, merde, ouais, lui, je l'avais pas vu. Parce que là, c'est le premier, quoi. On sait lequel aurait grillé, au moins. Hop. Alors, t'avais un stack de 1? Non, je pense pas, non. Allez. Désolé de t'embêter avec ça, mais au pire, c'est pas Top. Grave, hein. Il... Bah, au moins, ça sera fait, quoi. Ouais, mais si tu faisais autre chose, continue ton autre truc et le noir, et on changera après au pire. Hein. Bah, du coup, ça va griller dès que tu vas rallumer. Ouais, ou alors je laisse comme ça. Que ce soit fait. Non, il faut que. Bah, non, mais je suis en train de programmer ma salle en bas. Non, oui. S'il manque une donnée. La mienne sera juste plus calculée, c'est tout. Du coup. Le temps que ça. Ça cuise. C'est un peu la merde quand même. Tac. Beaucoup la merde. Hein. Tac. Non, c'est là-dedans. Non, viens, reviens là-toi. Ça, c'est là. Et ça, c'est là. Ça, je le savais qu'il était pas bien. Tac, tac. Quel jeu à la con quand même. Hein. Tac. Bah si calculer le courant réellement qui passait dans chacun des câbles, peut-être le serveur aurait du mal, mais au moins on pourrait. Juste trop poussé de vouloir datailler mes objets quoi. Mais... Tac. Bah non parce qu'il y a aussi Anissé, il y a Anissé là-haut hein, qui de la salle de contrôle. Il y a pas que l'analyseur. Hein. Et oui. Non, laisse... laisse non, je regardais si je l'ai mis dans le bon sens, en fait. Ah, d'accord. Tu
C'est juste pour voir si c'était dans le bon sens, mais c'est le cas. Bah écoute, moi je vais aller câbler ma pièce. Oh, un jour. Ça fait quoi si j'appuie là? Ah non, ok. Absolument rien tant que je suis montant. Je veux savoir si je pouvais redescendre l'ascenseur. Non. Mais bien essayé. Donc ça ici, c'est bon. Tac. C'est vrai que les câbles, c'est lent à faire. Extrêmement lent. Et c'est quoi au mur qu'on avait mis comme truc? C'est des murs composites. Un peu de murs composites. Et du coup, je sais pas si tu comptes refermer, mais referme pas trop vite là-haut. Comment ça? Là-haut, comment ça là-haut? Ah, je sais pas quand. Les murs extérieurs, je peux? Ah, oui. C'est la partie, je sais pas où tu vas séparer du coup. Je vais séparer ici au sol parce que. Voilà, c'est pour ça. Non, mais je vais tirer le câble ici. Et à cette hauteur-ci, je vais mettre un transfo, en fait, et partir avec mon deuxième câble en parallèle. Donc lui, il sera bon, il restera bon. Et bonsoir, Ice. Je suis un cola avec plein de café. J'aime pas le café. Je prends. Oh non plus, t'aimes pas? Ah non, j'ai jamais de café, moi. Maintenant qu'on a des problèmes. Un chocolat chaud, ça me va très bien, hein. Ah ouais, chocolat chaud avec un peu de café. Non. Je suis pas sûr que tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Ta puce ici, elle doit être où? Elle doit calculer, je sais même pas ce qu'elle calcule, ta puce ici. Pour l'instant, uniquement la puissance. Mais là, je vais avoir de toute façon un moment deux réseaux séparés. Ouais. Donc il me faut deux puces ici, voilà. Donc, mais t'aimes les koalas? Mais oui, j'aime bien les koalas. J'aurais pu, depuis le départ, du coup, me repiquer sur n'importe quel câble lourd, c'était pareil. Hein? Ta puce ici, elle doit être dans un des deux réseaux. Et il faut qu'il soit... là, actuellement... Bah, en fait, faut que j'ai... Ah, non, elle doit être avant la séparation. Elle doit être avant la séparation. Mais elle verra pas ce qu'il y a après la séparation, de toute façon. Du coup, oui. Elle ne verra quand même pas. C'est ça. Je vais perdre la connectivité avec la salle. Donc il faudra soit deux puces, depuis le début ce que je dis en fait, soit... Non, parce que du coup je pourrais pas renvoyer les informations, c'est l'inconvénient des... Mais c'est, au pire, c'est juste que tu verras plus les 4 heaters, si tu veux un détail sur eux. Ah non, je verrai plus rien du tout. La consommation de la salle. Bah oui, mais... ouais c'est ça. Je vais perdre la data de la salle. Non. Bah si. Je te pardonne. Bah mais si. Ça se mange des koalas? Il va m'insulter. Là tu es horrible avec Ice. Mais non, je déconne. Je déconne. Écoute, je vais te faire jusqu'à l'intérieur et après... Je m'excuse, c'est le reste qui déteint sur moi. Tu disais? Non. C'est un vieux des premières heures aussi, Ice, chez moi, donc... C'est plus ce que je disais. Je sais pas, moi je comprends pas ton système, comment il marche, donc... Moi non plus, c'est ça le problème. Ah ouais, bah alors m'emmerde pas. Hein. Reviens me voir quand il marchera et on en rediscute, quoi. Non, mais je suis en train de réfléchir au même moment, en fait, où... j'essaie d'imaginer ce que tu veux faire, c'est ce que ça va faire au final. Mais non. Oui. Ah oui, bah oui. Bouit. Récupérer ça. Du coup, je vais ramener un lourd. Changer ce bout de fil. Ok. Ensuite, je vais regarder ce que tu fais du coup. Ça va. Les impacts. Je sais pas non plus. Ah oui, d'accord. Ce que je fais. Les koalas, c'est tout doux et pas comestible. D'accord. Est-ce que je vais le mettre ici là? Ouais. Alors là, en fait, je pensais séparer le réseau en deux. Tac. Ah, je tombe. Mais sinon, j'adore tes émotes. Hein. À chaque fois que je les vois sur Discord, je dis, ça sont tellement, bah, tellement expressives en fait. Déjà... Elles veulent tout dire juste avec une émote. Ok.
Killer Six, ouais. Je m'abonnerais bien chez le mec juste pour ses émotes. Il y a quand même 52 émotes, le mec, tu vois. Donc ah oui. Ouais, c'est un énorme... Ah oui, d'accord, ok. Là, je voulais séparer. Là, je voulais mettre... Quoi, quoi avec une bonne petite sauce? What? Jamais dit ça. Donc là, je voulais mettre un... Comment on appelle ça, déjà? Un transfo. Un transfo. Pour le mettre sur le petit câble. Et puis, ce gros câble-là, je voulais le faire partir en ligne droite jusqu'à Meter, en fait. Ouais, d'accord. Donc, du coup, là, je suis cuit-cuit. Parce que je pense... Alors, ce qu'il faudrait, c'est quoi? C'est la puce avant le transfo? La puce, en fait, avant ma séparation? Mais alors, elle verra plus ce qu'il y a c'est après ça. Le transfo. Donc, il faut que je sépare... Non, c'est bon, j'ai compris. T'as tout remonté, au fait? De quoi? Je me demandais si t'avais tout remonté. Pas encore. Ok. Alors, fais comme tu comptais le faire. C'est moi qui dois tout modifier, la logique. Et je mets la puce dans le... La puce, ça reste là, et en fait, la puce de machine, il faut que je sépare l'analyseur en bas, que je le remonte tout seul, et que je le rajoute à ton réseau data, et que je parte avec un câble noir d'ici, jusqu'à ma salle. De réseau, quoi. Et donc, du coup, je remets tout côté ton côté data. Et je suis tranquille. J'ai jamais vu ces lives. Je prends juste ses émotes, t'as pas trop bien raison. T'es bien ici. T'abonnes chez lui tous les mois ou... Bah, j'imagine que oui, du coup. Ou t'essayes de gratter un sub d'une façon ou d'une autre. Tu te laisses connecter tous les jours et en espérant que t'as un sub gift qui tombe sur toi. Ouais, c'est ça. Pareil pour tes dragons. Pour les dragons. Ouais, c'est pas le même. Mais ils sont bien aussi. Ouais, non, mais j'adore aussi. Je trouve les trucs super bien foutus. Transfo. Comment il s'appelle le transfo? Vold. Comment on appelle le transfo dans le jeu? Le transfo. Merci. Et c'est dans quelle machine? Transfo, c'est la machine IC, machine... Électronique imprimante. Ouais, ben je trouve pas. Il s'appelle le kit transformateur petit. Ouais, c'est pour ça. Transformateur. Tout simplement. Il y a pas abonnement de 6 mois à toutes les fois moins cher. Ah oui, du coup, oui. Ouais, c'est vrai. C'est ce que j'ai fait chez Nassim pour le coup. Je m'abonne par tranche de 3 ou 6 mois. Je suis mauvais à ce point-là. Bah ouais, transfo. Mais c'est dingue ça. Il faut que tu l'écris transformateur, parce qu'il s'affiche pas si tu écris juste transfo. Ouais, c'est ça en fait. Il faut l'écrire plus, c'est un peu bizarre. Ah, je peux pas démonter ça? Requiert, disons. Démonter quoi? Je vais démonter du coup ce câble-là. La jointure. Ah! J'ai fait. Je le monte? Bah non. ah oui, du coup j'ai pas de câble lourd. Ils sont passés où mes câbles lourds? Ils sont là. Les miens, je sais pas ce que j'en ai fait, je les ai posés là. Petit anneau mieux. Oh, c'est chiant ce truc, ce système. Il faut que je... J'enlève le mur. Voilà. Ensuite... Je mets des outils partout. Voilà. Ensuite, je coupe ton courant. Voilà. Ensuite, pas trop longtemps si possible. Je te remets le courant. Oh non, t'inquiète. C'est juste le temps de faire ça. Et ensuite, je fais ça. Et il faut que je remonte là-haut. Évidemment, hein, je vais pas monter en bas. Le premier qui l'a dit, voilà. Et à chaque mois, je change de chaîne pour le Prime. J'ai voulu faire ça pour ta chaîne, mais j'ai peur que ça annule le temps d'abonnement d'affilée. J'imagine que tu parles de la chaîne de Lorex, hein, du coup. Oui, oui, oui. Oui, c'est possible que ça annule le temps d'abonnement d'affilée, parce que le Prime ne le... Comment? Tu n'es pas tout juste sur le temps d'affilée, en fait. Mais il le prend... Je sais que moi, il me l'a compté... Attends, j'utilise où mon Prime? Ah non, chez Pop-Up, je sais pas son bot, je sais pas s'il donne les...
sais même plus où j'utilise mon prime. Moi pour le moment je crois que mon prime je l'utilise pas, c'est honteux. C'est honteux. Ah bah oui là c'est honteux. C'est ça. Hop. Tac. Coucou. Regarde pas ce que je fais. Regarde pas ce que je fais. Fais pas des bêtises parce que... Parce que quoi? J'ai utilisé mon prime justement, donc là j'ai... Ah. Je suis en train de t'aider, Lorex. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Ah bah voilà. Lorex soutient la Graou Family. Bien obligé. Et... Location du serveur. Ah bah merci pour ton prime. T'as pas pu écrire une... peut-être que le prime tu peux pas écrire de conneries. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Parce que c'est comme chez Steamy, hein, tu peux... Faire le con. Tu peux faire le con avec le bot. Non, ça va, je suis pas comme ça. T'es sûr? Faire le con, moi, jamais. Je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux. Oui. Un peu... Putain, je sais pas si mon câble rejoint. Peut-être le passer entre un tuyau et un câble jaune, ouais, ça va le faire. Hop. J'allais dire un peu très allemand, tu vois, moi, la plaisanterie, franchement. Je connais pas de l'humour allemand. Justement, ils en ont pas. Ah, d'accord, ok. D'accord. Tac, et tac, tac. Ah, ah merde. Ah merde, t'avais mis des bouteilles ici. Bon bah, sont retombés en bas. Allez. Attends, toi. Celle de vol. Pourquoi? C'est tes bouteilles qui traînent toujours. Du coup, je reste sur du mois par mois pour ta chaîne. Pas envie de perdre mes 2, 3, 4 ans d'affilée. Ah. J'ai rajouté ces deux dans la phrase, moi. 6 mois d'un coup, logiquement, je crois que c'est bon, hein, si tu renouvelles 6 mois. Ça, si tu veux payer, moi. Après, c'est vrai que, ouais, si, c'est toujours chiant, ouais, quand t'as le consécutif qui est hyper élevé, t'as pas envie de... Tac. Ouais, il fait partie de mes fidèles abonnés. C'est ça, t'es fidèle. J'ai cherché exactement le terme le plus... Le plus quoi? Adapté. Adapté? Je sais pas ce que tu voulais t'imaginer, pour le coup. Fidèle abonné. Oui, bah oui. Hop. Je te fais un peu haut là. Oui, j'ai fait un peu haut le câble. Tac. 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 Mon câble n'est pas relié, mon câble loup, apparemment. Pourquoi est-ce qu'il serait pas relié? Ok. Donc moi, la modif, elle marche. Nickel. Câble lourd, là, il suit partout. Oui. Ils sont là. Là. Oh, je vois pas ce que t'as fait en dessous, mais... Mais... Si, il s'allumait bien, ton truc. C'est juste que c'est le data qui le... Ah non, 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 qui l'éteint. Non, vu... non, ça va, j'ai rien dit. Non, oui. Non, non. Il a... C'est quoi cette merde? C'est ton programme qui bug, puisque c'est ton programme qui l'est éteint. Il est en train de remplir le... Il est allumé derrière toi. Il est en train de remplir. Ah, en coupant et rallumant le courant, il a planté... Oui. Il s'est remis à zéro, le programme. Mais quand tu allumes, je vois bien que le bouton est allumé, donc... Oui, oui, oui. T'as bien oui, du courant. Hein. En fait, oui, là, il est en train de remplir. Et... ouais, regarde, on est à 13, on est en train de baisser. En resetant le programme, il a dû recommencer à zéro. C'est ça. Son cycle de base, c'était... Mais il aurait pas dû. Parce qu'il y avait quelque chose déjà dans ce tuyau-là, il aurait jamais dû recommencer. Ah. Il n'y a pas de... De sécurité. De ouais, dire qu'au début, certains... C'est... Non, de dire qu'au début, c'était le gouvernement à qui payer mon sub... Quoi? Dire qu'au début, c'était... Le gouvernement qui payait mon sub à sa chaîne. La vie a changé en 4 ans. Aujourd'hui, j'ai hâte de ma retraite. À ma retraite. Quoi? Aujourd'hui, j'ai hâte à ma retraite. T'es si vieux que ça? Je sais pas quel âge il a.
J'ai hâte à ma retraite. Il est québécois. Hein. Et alors, ils ont pas la retraite à 20 ans. Hein. Et alors? Non, c'était dans les tournures de France. Voilà, ça s'est rebouché. Ça s'est pas encore rebouché, mais ça viendra. Bah c'est good pour, de mon côté. Du coup, je me suis raccordé ici. Ok. Ok, d'accord. Et bah j'ai quand même accès à tout ton réseau, du coup. Et j'ai juste séparé l'analyseur, quoi. Et non, ça marche. Ça marche. Okay. J'ai plus qu'à refermer. C'est good. Et bah c'est good. Voilà, c'était pas si compliqué. Ouais, non. Ça, attends, je vais aller poser mes trucs, on verra si ça explose ou pas. Ça, c'est autre chose. Voilà. C'est les batteries qui vont exploser, plutôt que... Avec surconsommation. Oh, ça, c'est encore un autre. Tac. Alors, je fais comment pour... Voilà. Ça, je prends ma taille, putain, les gens ont de la chance. Tac. Tac. Aujourd'hui, plus jeune que toi, probablement à 35, je prends ma retraite. Ah, d'accord, ok. Il me sert le mur plat. Mais j'ai 27 du coup. Oui, donc oui, du coup, plus jeune. De pas beaucoup. Hein. C'est pas moi le plus. Non, c'est Vold le plus vieux. Ah non, non, c'est largement Vold. Hein, et de très 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 loin. Ouais, ouais. Dis tout de suite que je suis plus vieux que mon père. Hein. Ce serait bizarre. T'as combien Vold et fin trentaine, toi, non? Passé, oui. Début quarantaine, fin quarantaine. Je m'approche plus de la quarantaine. Mais... Ouais, proche de la quarantaine, c'est ça. Je n'étais pas passé les 40. Non. Ah voilà. Tac. Ça va alors. Donc on a une chance sur deux. Je m'en fiche de l'âge, moi. C'est qu'un chiffre, hein, oui. C'est ce que j'essaie de dire au juge depuis le début. Tu sais que je t'ai vu à chaque fois pour calculer mon âge. T'as quel âge? Et du coup, je fais attends. Et attends. Ah oui. Alors je retiens deux, je retiens. Ouais, trois. C'est ça. Pour moi, je m'en fiche quoi. Je réfléchis à l'âge uniquement quand c'est vrai que j'ai besoin. Finalement, notre de... âge, c'est quoi? Le nombre de fois que notre planète a réussi à faire le tour du Soleil. Super quoi. Ouais, alors imagine si ouais, c'est ça, si la Terre s'arrête. Du coup, l'âge aussi. Enfin voilà quoi, merde. Mais du coup, sur la Lune, tu vieillis plus vite ou pas? Attends. Non, non, mais il y a un truc avec la gravité donc. Ouais, c'est ça, ouais. T'as posé une question. Tu poses une question à un con là. Ah, mais j'aime bien les questions à un con. Moi. Je crois que tu... Oh, je sais plus dans quel sens. Non, ça dépend la vitesse. En fait, plus la gravité est forte, plus le temps est ralenti. En fait, ça dépend d'où tu observes. En plus, le oui, temps est relatif, c'est la fonction de... Si tu observes depuis la Terre, et que la gravité est plus forte depuis la Terre, donc du coup... Tu vieillis plus vite, non, je crois. Ouais, hein. Je crois qu'ils vieillissent moins vite ceux qui sont dans la station spatiale, il me semble. Parce que la gravité est moins forte que sur Terre, ouais. Il me semble que c'est ça le délire. Ouais, mais tu sais, quand tu t'approches du trou noir des gens, tu sais, il y a plus en plus de gravité et tu les vois de plus en plus ralentir. Donc, du coup, par rapport à eux, on vieillit plus vite que ceux qui sont proches. J'ai mal la tête. Pourquoi j'ai posé la question? Non, au pire, on tape la fin dans Google, il y aura la réponse, mais ce serait trop simple. Ah non, bah non. Et après, après tu diras, j'ai lu sur internet. J'arrive pas à trouver le bon là. Ah, mais zut! En plus, c'est pas le bon. Mais non, c'est joli. Ce jeu où tu sais pas dans quel sens tu poses le mur. Eh bah, dis. Par contre, j'ai merdé, j'ai dû refermer tes murs. Comment ça? Parce que du coup, j'ai plus assez de plaques pour refermer. Moi, j'étais en train de me dire, j'en ai peut-être deux, trois. un vieux. Ah bah oui, Vold, oui. Moi, je dis qu'on devrait calculer l'âge en année vénusienne. J'imagine que c'est beaucoup plus court, plus long, du coup. C'est ça, il devient. Je sais pas, mais ça peut être marrant. Mais c'est sûr. J'en sais rien en fait. Ça, ils deviennent moins vite.
vieux. Si on peut écouter mais c'est son âge en dragibus, moi je serais peut-être plus, plus partant. Dragibus? Non, dragibus. Il manque un mot, ouais, ouais. T'inquiète pas, je l'ai rajouté. En fait, si on compte en année de vénusienne. Bah, combien de temps met la Vénus à faire le tour du Soleil? Ouais, du coup. Je crois que. Si elle met plus d'un an, entre guillemets, bah, on vieillit moins vite. Mais sur une. Oui, relative par rapport à Vénus. Voilà. Ce qui veut rien dire en soi. Hein. Est-ce que t'as une plaque d'acier Oui. D'acier non. Oui. Il faut que tu démontes un mur pour d'avoir une. Si tu en prends une sur la mais mur, si. Bah, toi, t'en as une. Lol. Oh. Lorex, il y a un trou dans le mur là. Ah, si, je te jure. Attends, c'est Keto, il a pris la plaque. La vitesse de rotation de Vénus est très faible. Ça fait sa vitesse. Tac. Elle met 243 jours pour tourner sur elle-même. Très intéressante. Ah oui, déjà une journée c'est très très long. Ouais, ouais. Ouais, mais du coup, je sais pas si pas dans le jour de nous. Tu vois. Oui. Bah, elle mettrait donc 224 jours pour faire le tour du soleil, donc c'est plus court que nous. Donc ta salle consomme 2 kilos, 6 kilos. Ah oui. Oui, je pense que j'arrive à bien calculer. Ouais, ça va, tu vois, tu râles pour rien. Bah oui, j'ai 4 heaters qui fonctionnent, je vais peut-être mettre un de plus, parce que c'est pas assez rapide à mon goût. Moi, je peux en mettre 5, donc je vais en mettre 5. Et du coup, je vais finir... Et rien à griller, donc c'est que ça marche aussi, accessoirement. Bah oui, j'étais là. Et du coup, là, j'ai juste à faire... Si R4... Enfin, vu que c'est le dernier test... Merde. Zut. Fichtre. J'ai récupéré ça, là. Et du coup... Alors, il me faudrait un système pour... Mais non, pas jaune. Il faudrait un système pour... Pour vider tous les réservoirs qu'on a là. Les armoires de réservoirs, pour être plus précis. Ça en avoir beaucoup. Ouais, est-ce que le fait de le mettre dans... Je reprends le système de couleurs, je crois que je me suis trompé. Tu es dans un entonnoir pour les récupérer. Alors, Wikipédia. Je peux pas les auto-insérer, non. Stationnir. Ah. Maintenant, ce qu'on peut peut-être faire, c'est faire un recycleur. Et je parle de la machine recycleur, je crois pas que c'est... Ouais, et tu l'enfermes dans une salle. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Oula. Est-ce qu'on récupère 100% Ah, oh, je pense pas, non. Parce que du coup, le vert, c'est 2. Il y a un casier qu'il faut pour un gros casier. 3, c'est orange. 2, ouais. 5, c'est jaune. Et 4, c'est rouge. Ok. Donc je fais vert, orange, jaune, rouge. Cette suite de couleurs n'est pas logique. J'ai peut-être même pu calculer le 2, 3, 5, 4 à partir des chiffres. Tu vois ce que je veux dire? Oh. Plutôt que faire des conditions et de jump, t'aurais pu les calculer. C'est ça l'optimisation du coup. Non. Ça devient compliqué, je sais bien, mais bon. Bah, j'aime bien déjà, ça me paraît plus logique de le faire dans ce sens-là. Ouais. Je fais mon test et si c'est bon tu sautes et tu fais ton calcul, enfin tu fais la modif et je peux faire plusieurs tests et si c'est bon tu sautes quoi. Ok. Juste à expliquer le premier en fait en soi. Test si les deux
Condition. Bon, ok. Puis voilà. Il fait un test collant. Tout ça, je jette. Ok. Donc du coup, par contre, je passe du... Si on met les mauvais éléments dans un four, ouais. Ça ressemble en mélange mixte à la con, là. Ouais. Alors, je viens d'avoir une idée. J'ai peur. Moi aussi. Il faudrait tester avec le truc d'Orax qui nous a montré depuis un moment, là. Il faudrait peut-être le grand truc où tu peux mettre des lingots dedans, là. Mm. Est-ce qu'il y a moyen de savoir ce qui... Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de savoir ce qu'il y a dedans? Non, tu dis c'est un élément par un élément dedans. Tu peux mettre plein d'éléments, mais c'est des stacks. Est-ce qu'on peut voir la quantité des trucs dedans? Admettons. Mm-hmm. Ce serait de mettre un système, tu sais, caché, hein, mais avec un IC. En gros, tu mets à l'entrée, tu mets un certain nombre d'items, ça met d'abord dans le silo. Et si le compte est bon, ça envoie dans le four. Et si c'est pas le cas, ou si t'annules ton truc, et ben ça renvoie les lingots tels quels pour éviter de les... Ah oui. Ah, dans un silo, tu veux dire, ouais, ouais, c'est ça. Mm. En fait, tu cherches un stockage où tu peux regarder ce qu'il y a dedans, simplement. Mm. Est-ce que le silo... Si tu fais un truc et tu dis, ah bah non, j'ai pas assez, bon... C'est-à-dire que tu vas devoir encoder toutes les recettes et faire des calculs sur tout, quoi. Bonne chance, quand même. Bof. Oh. Ok, bon bah je vais tester. Ah oui, quoi que en soi, ouais. Tu sais, dès que t'as le truc, tu fais des copier-coller, hein, dès que t'as le bout de code qui va bien pour un. Ouais, mais je veux dire, par exemple, pour le. Confirmer. Si tu prends la recette de l'acier, c'est. Il faut 0,25 de. Déjà, il n'y a pas d'erreur. 0,75 de fer. Mm-hmm. Donc si tu mets. Voilà, il faut calculer que si tu mets 300 et 100, c'est bon quoi. Ouais, tu fais avec. Trop compliqué le développement. Multiplicateur, tu fais une division. C'est sa partie ou la mienne ici. Plus simple d'apprendre le japonais. Alors, des divisions avec. Enfin, des modulos, je crois pas qu'il y ait. Allez, gâteau, kozaimasu. Si, si, oui. Ah, bon, alors,